Et yo tout le monde, c'est Unforce. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Spider-Man PS4. Donc j'ai un peu avancé les petites quêtes secondaires comme des braquages ou attraper des pigeons ou quoi que ce soit. Donc on va continuer l'histoire. Bon, tant pis, on va pas faire de mission secondaire. Nous on fait que les missions principales. Ok. Bonjour docteur. Alors... Bonjour Peter, je suis à toi tout de suite. Wow, je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisme. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. Regardez. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Ah non. Mais cette fois, ce sera différent. Vous n'avez pas chômé? Ce n'est que le début. Le gars, il a clairement fait un repos. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? J'ai peur qu'il y mette une option un peu bizarre avec le bras. Y a un problème? Ah, bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de seul! C'est pas grave, hein, le gars, j'ai fait un robot, je sais pas cap. Eh ben, y aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais... Vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un courjus. Oula. Alors... Pas top. Je dois dévier ce circuit. Oh là là. Thank you.
Ouais, je fais comment là? Voilà. Mais c'est bon là. Ah non. Non, lui ça sert à rien. Parfait les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, pour ce magnifique décryptage. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Alors... Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Et je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. LMG. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, les gars, petite question. Est-ce que vous aimez la nouvelle tenue? Eh, au niveau, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner? Et les gars, faut vous encadrer. Trop stylé. Ah oui, hop. Bam. Tac. Strike. Ouais, mais alors lui. Et c'est le chien dessus tellement ils sont nuls. Par quelque chose d'énorme. Bon voilà, hop. Ça c'est un peu ce que j'ai fait pour pouvoir acheter les tenues quoi que ce soit. Je vais lui appeler une ambulance. J'espère qu'ils pourront l'aider. Bon alors, ok les gars, on est en train d'arriver pour la suite de l'histoire. Donc on va arriver chez MJ. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais l'adresse que tu m'as donnée. J'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Ah ok, donc en gros là on va faire ce qu'elle raconte.
Ok, donc en gros, on va faire ce qu'elle raconte. C'est quoi cet endroit ? Stylé. Non, mais alors toi, tu vas comme ça, tranquille. Comment t'as fait pour arriver ici ? Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein ? C'était quoi ? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Hop. Tout en douceur. Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros ? Non mais sérieux, fallait où là ? Elle est où ? Je suis sûr que je l'avais laissée là. Clé de 12 quelque part. À n'importe quel moment, le gars là-bas, il me... Depuis quand on a une nouvelle scie sauteuse ? Eh ben, je suis mort, là. Hey, quelqu'un a pensé à racheter de la bière ? Non, non. C'est quoi ça ? Un genre d'équipe. Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance prudemment. Mais... Soit ils font exprès, soit ils sont cons. Elle va se faire choper. Désolé, elle va se faire choper. Ah, putain. Non, mais ils sont vraiment nuls. Oula. Brutus. C'est Brutus, les gars. C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai. J'ai dit que j'arrangerais ça. Ah, Brutus, il a peur de rien, t'en Brutus, hein. Voyons si ça va durer. Ah, mais Lucas, c'est un malade. Faut mieux pas se faire choper, hein. Je dois entrer dans ce bureau. C'est moi ou pas ? Qu'est-ce que c'était ? Nali.
qu'ils construisent pour Lee. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Il doit bien y avoir autre chose ici. Ok. Et voilà. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Alors, discrétion, elle est vraiment trop forte. C'est là hein. que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y'a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Il connaît bizarre, le gars. Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Pas encore. Eh, hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Oula, le téléphone, je crois qu'il était... qu'il était brisé, là. Quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, pose-toi sur le canapé. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Ok, c'est bon, hop. Du coup, on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression. On lui a clairement raccroché, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Mince! Pas du tout ce que je voulais faire, bon, tant pis. On peut faire carré là. Bam. Bon, la voiture Hop. Je suis lanceur de poubelle professionnel, d'accord? C'est mon métier. Voilà, hop. Donc le gars, d'accord. Le gars, il s'en vient à ça. Bien sûr. Merci du coup de main, Spider-Man. Y'a pas de quoi. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Ok, on est arrivé.
Pourquoi t'as pas laissé le portail ouvert? C'est plus bizarre, hein, Spider-Man. Hein. Quelqu'un était pressé. Spider-Man! Vous êtes blessé? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse. Attention, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh bah, content de vous voir! Trouve plus ma caisse! J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage! Tac. Oh punaise. Mais quoi, j'ai fait une esquive. Bam. Ça. Ça dégage. Bam. Tout est parti avant d'y passer, mec. Non mais oh. Voilà. Bam. Oh punaise. Oh punaise, mais ah mais. Hop, ça c'est fait. Oh punaise. Non mais oh méchant. Et bam. Bam. What? Le gars a littéralement traversé le truc. Hop. Ah, des nouveaux ennemis. Ah, y'a Brutus. Comment ça? Vous bossez là, vous aussi? Ah bah, je plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Tu veux tuer en premier, hop. Tac, on va utiliser le petit truc un peu... Cool, hop. Bien tenté, mais raté. Ouais. Fallu où maintenant? De prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Oh le gars, je sais pas comment il fait ça. Hein. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Wesh. Tachinara. Hop. Ça c'est fait. Ouais, je peux faire quoi là? Ils m'ont perdu de vue. Ok, j'y suis presque. Hop. Restons dans la pénombre. Mais qu'il y a que mal l'ascenseur. Oula.
Hop. Attention. Tac. Allez. Bah. Voilà, hop. C'est qu'il est haut ce bâtiment. Des bombes incendiaires? Sans blague! Skip! Ouais, mais... What? C'est pas bon ça! Hop. Mais ils sont vraiment nuls, hein, les méchants. Très bien. Et maintenant, entrez le mot de passe. Il a l'air à cran. Il devrait peut-être abréger ses souffrances. Hop. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Alors. Ah non, pourquoi moi j'ai pas tué comme ça lui? Mais plutôt comme ça. Voilà. Ça m'évite de descendre. Les dodo. Ok, donc là on va remonter. Bah ah. Voilà. Coucou, je panier. Est-ce qu'on peut sortir? Non, on peut pas. Y'a plus d'ennemis, on est d'accord là. Ah si. Hop. Parfait, hop. Bon, on va attendre qu'ils ressortent. Oh non, je vous ai pas vu venir celle-là. D'où ils disent sans danger, mec? Il y a plein de... Mec, mais c'est clairement pas discret. Et merde.
Oh, j'ai pas été cramé, mec. Je suis trop fort. Ça s'appelle le talent, ça, les gars. Ah, non! Je suis vraiment trop nul, les gars. Honnêtement, je la trouve plus jolie cassée. Hop là, voilà. Okay, j'espère que Standish va bien. C'est comme ça qu'on fait, les gars. Et mince. Il est où? Oh punaise! C'est bon lui? Bam. Essayons encore une fois. Hop, voilà. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents. Parfait. Financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui, lui? Je l'ignore totalement. C'est bon! Oula. Allez, allez! Mais mec, on prend pas l'ascenseur. Hop. Ah, presque. Essayez de tomber moins vite. Je vous tiens. Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut Yuri. Tout va bien? Ouais.
Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire... l'inspecteur Speeder ? Elle a raccroché. Yori ? Oh, c'est pas sympa. Quatre sables peuvent peut-être gérer, mais je vais pas prendre de risques. Hé, hey, je suis pas avec eux, mais je vais quand même vous donner une bonne leçon. Bam. Hop, ça c'est fait. Hop. Message du doc. Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On a vu trop de Speeder. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, parfait. Les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait... Ce que ferait une ok, il y a une mission secondaire à faire là. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Merci. Attention, les revoilà. Ok, donc d'abord, toujours attaquer le grand en premier. Les gars. Hop, donc là, le petit piège. Non mais il saoule ça. Hop. Voilà. Parfait. Vous m'avez sauvé la vie, Spider-Man. T'as type dans un coffre. Je sais que je le dis souvent, mais on voit ça qu'à New York. Bon allez go maintenant. On va faire la mission principale. Hop. Hein ? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man. Alors, tu as trouvé l'un de mes points de géologue. Qui est Docteur Fatalis ? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées ? Non, il dirait trop Docteur Fatalis. Des points de géolocalisation aux quatre coins de la ville. Aux agents déployés à Roosevelt, ici Centrale, quelle est votre situation ? Effet de bombe. Centrale, les démons ouvrent le feu sur l'avant-poste du toit. Bon, mais attends, mais il y a deux secondes, on était là, quoi. Que je porte pas sable international dans mon cœur, mais les démons sont bien pires. Arrêtez les gars, vous faites peur aux pigeons. Hop.
quelque chose sur Isaac Delany? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Tac. J'ai eu un appel de tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles et elle est ravie qu'on puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Hop. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Vas-y, bah, go faire chaque bombe, hein. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Et elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Non, s'il y a un temps, t'as pas vu? On va à gauche. Hop. Hop. Allez, hop, 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 hop. Okay, plus qu'une. Tac. 34 secondes. Voilà, 30 secondes. Si proche de la perfection. Oh non. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers? Je laisse ça aux enfants, je suis un professionnel. Ok les gars, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. C'est nouveau à la chaîne, à vous abonner. C'est un de force, allez, bye.